Venez là, connard de milicien! Je vais vous latter. Merde! Je le sens mal. Merde! Dédame-le! Dédame-le! Rappelez-vous! Amenez-vous, fils de pute! Venez, je vais vous latter. Venez là, connard de milicien!
bordel! En voilà d'autres. C'est tout ce que vous avez? À mon approche! C'est bon, je le connais. On ouvre. Allez, faites-les entrer. Il s'est passé quoi? Encore une attaque. Les squatteurs vers l'autoroute. Il faut qu'on rassemble les gars pour les chasser. Ne regarde pas, c'est pas mon problème. Ils retiennent Manny. T'as envoyé Manny en mission de ravitaillement. Moi, je supervise le campement, Dick. Je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. À leur faire voir, Cop. Il est dans les buissons. Il l'a tué!
Salut, Manny. J'allais pas le laisser buter. Et puis entre nous, qui d'autre à part toi sait reconstruire un carburateur ici? Oh bordel. C'est bon. Je sors pas assez du camp. J'avais encore jamais vu un truc pareil. C'est bon. Allez, on se barre de là maintenant. Ça, t'as pas besoin de me le dire deux fois. C'est quoi ce bord? Qu'est-ce que tu foutais là, toi? Je sais pas trop. J'avais pas participé à une seule expédition depuis des mois. J'ai l'impression... pas faire ma part, tu vois. Il y a un paquet de cow-boys dans le coin, Manny. Et pas un qui s'y connaît comme toi en bécane. Ouais, c'est ce que dit quoi. Pour une fois, je suis de l'avis de ce bâtard. Eh, à ton avis, pourquoi ça se passe comme ça? Comment ça? Mais tout le monde qui essaie de s'entretuer, là. Manny, tu sais combien il y avait de gens en tôle avant que cette saloperie nous tombe dessus? Je veux dire ici, aux États-Unis. Aucune idée. 2,5 millions. Ajoute à ça les libertés conditionnelles et les probations. Ça fait quasi 7 millions. Donc dis-toi qu'une personne sur 35 se contrefout déjà des lois. Sans compter ceux qui sont jamais fait choper. Oh, merde. Alors la question, c'est pas tellement pourquoi c'est comme ça maintenant, mais plutôt pourquoi seulement maintenant. Je crois que maintenant je vais rester au camp, hein. C'est sûrement mieux, ouais. Tu vas te débrouiller? Ouais, ouais. Hé, hey, Dick, je te dois la vie. Et je serais plus de ce monde si t'avais pas... Manny, profile bas. Profile bas, t'auras à bouffer. Maintenant, fous le camp d'ici. C'est où me trouver, ok? Ah, salut Dick. Attends un peu. Nicole St. John, ici Marc Copland. Je voulais juste m'excuser pour toute cette histoire. Ancienne Syrie. Ouais, et Boozer a une sacrée grande gueule. C'est le chef de la sécurité, il est obligé de me le dire. Tu te rappelles quand je t'ai emmené à la Syrie, hein? Tu te souviens de la horde que je t'avais montrée, celle qui squatte là-bas? Ouais, je m'en souviens, ouais. La très grosse horde qui vit, dort et mange là-bas. Ouais, je te l'ai dit, je m'en souviens. Écoute, Ricky, quand j'étais avec la milice, ils ont... enfin, on a créé... une espèce de molotov amélioré. Un molotov amélioré? Ouais, ouais, avec du napalm. Bref, fais-moi confiance, je vais. On a besoin de toi, Dick, et on vit. Ricky, ça va aller. Arrête de t'inquiéter pour moi, ok? Je sais ce que je fais. Ricky. Ouais. Ouais, ça, c'est un molotov sur le palier. Ça va être...
assez de pièges, munitions, molotov, tout ce qui peut se porter. Allez, mon pote, tu me tues. Où tu vas chercher la créosote? Tu préfères trimballer dans ton camion poubelle, de toute façon. Carrément, ouais. Ok. Je vais à l'ancienne Syrie. J'ai vu des cuves de stockage là-bas. Il doit y avoir toute la créosote qu'on veut. L'ancienne Syrie? Les dernières nouvelles, il y avait une horde là-bas. Et pas une petite en plus. Ouais. J'en ai un vague souvenir. C'est pas vrai. T'as encore envie de crever ou quoi? Même maintenant que t'as retrouvé ta femme, on va la récupérer, Dick. Non, non, Boozman. J'ai... Écoute, je sais que je vais y arriver. Tiens-toi prêt, c'est tout. Je t'appelle dès que la voie est libre. Terminé. Saint John, ici Copland. Manny dit qu'il a trouvé une pièce pour ta bécane. Je suis pas sûr d'avoir assez de crédit. Quand ce sera le cas, passe le voir. Il te la montrera. Terminé. Il y en a trop. Ah!
que t'as... J'ai un autre plan. Putain de merde, Dick. On dirait bien que j'ai raté la fête. Ouais. La prochaine fois, je conduis le camion. Et tu te tapes les mutants. Ok, mec. Ok. Va te garer là-bas. Ouais, ça marche. Voilà, c'est bon. Retourne au camp. Je te rejoins sur place. D'accord. Et, Boozman. Conduis doucement. Qu'est-ce que tu crois? J'ai envie de m'envoyer en l'air.